La fin de l'année à l'école Les Crampettes, située à Rouy, a été marquée ce samedi 1er juillet 2023 par une cérémonie festive au cours de laquelle la première vague d'élèves et enseignants de l'établissement a présenté aux parents d'élèves invités une série d'activités savamment préparées. 92, 90, 99. Très bien mon ami, je t'encourage pour ça. Moi aussi. Je dirais à mes parents de m'y inscrire à votre école Les Crampettes. Au revoir mon ami. Au revoir. Courage, l'année prochaine vous ferez mieux. En vous mettant dans le travail scolaire, vous aurez de bons résultats. Le plus grand désert du monde est le désert du Sahara, qui se trouve en Afrique. C'est le plus grand désert chaud. L'occasion était tout indiquée pour la promotrice de l'école Les Crampettes, Madame Bangala Muriel, de dire sa gratitude aux parents d'élèves pour la confiance et l'appui exprimés. Je suis très fière de la manière avec laquelle nos élèves ont su relever le défi et se sont adaptés au programme français mis en place à notre école. Je suis aussi extrêmement reconnaissante à l'apport des parents à engager leurs enfants dans nos nombreuses activités survenues en cours d'année. Le personnel de l'école Les Crampettes s'affiche déjà à préparer la rentrée pour l'année scolaire 2023-2024. Nous anticipons avec enthousiasme le début de la prochaine année scolaire. L'école sera ouverte à compter du 3 juillet entre 9h et 15h30 pour les inscriptions et réinscriptions, car les places sont vraiment limitées. Et nous avions des réservations de nombreux parents d'élèves. Par contre, nous privilégions les parents qui ont été au cours de cette aventure année scolaire sans hésitation. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de plus d'amples renseignements. Avec cette journée émulative, l'école Les Crampettes met le clou sur sa première année scolaire, dite de construction, mais reste ouverte aux élèves et parents pour les cours d'anglais pendant les vacances et les inscriptions en vue de la prochaine rentrée, le 4 septembre 2023, dès 7h30.